Dans le Haut-Ogooué, 13 agents de la DGCC viennent de prêter serment près le tribunal de première instance de Franceville. Les impétrants ont pris connaissance des attentes des autorités quant à leur statut d'officier de police judiciaire. Jean Romano Lubaluba, Fabrice Lemumba pour le point. Le service provincial de la Direction générale de la concurrence et de la consommation du Haut-Ogooué compte 13 agents garants de la régularisation qui revêtent désormais la qualité d'officier de police judiciaire à compétence spéciale. La main droite levée, les 13 agents se sont tour à tour engagés à fidèlement remplir leurs fonctions et exercer leur profession avec conscience et probité. Par la suite, le président du tribunal de première instance de Franceville leur a rappelé l'importance du respect fidèle du serment qu'ils ont prêté. Vous devez vous rappeler l'importance de ce rite tout au long de votre carrière et garder en mémoire que sa violation vous expose, que dis-je, nous expose tous à des sanctions aussi bien disciplinaires que pénales. En effet, devons-nous le rappeler, vous serez, au regard de la particularité que revêt votre office, soumis à des tentations multiformes dans vos missions quotidiennes. Mais votre serment devra rester le leitmotiv de votre action. Le serment est un engagement solennel qui vise à remplir les missions en toute exemplarité. Conformément au décret 2204 du 10 octobre 1975, portant statut particulier des personnels d'administration des pays enquêtes économiques, à son article 9, stipule que le personnel de l'administration des pays enquêtes économiques, pour exercer légalement leurs fonctions, ils doivent être porteurs de leur commission et avoir prêté serment devant les tribunaux. Et c'est ce rituel que nous venons d'accomplir. Cette séance publique et solennelle a bénéficié des observations du procureur de la République adjoint Emon Zikoko Bissala et de la présence du greffier en chef.